Le processus de bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État évolue et les résultats démontrent de plus en plus la force de son organisation. Rappelons que cette nouvelle expérience a déjà servi les enseignants et les officiers supérieurs et subalternes de l'armée et de la police, avec pour objectif de pouvoir contrôler la paie et maîtriser les vrais effectifs des agents et fonctionnaires de l'État congolais. Cette opération a permis de mettre en exergue les failles qu'il y avait dans l'ancien système, notamment l'existence des agents fictifs. Ces derniers vont jusqu'à falsifier des cartes d'électeurs afin de percevoir illégalement de l'argent de la caisse de l'État. L'on a pu en découvrir quelques-uns depuis la mise en application de ce système. Tout un réseau dénoncé est à la prison de Makala. Ce mardi 6 novembre, un autre faussaire s'est présenté à la banque avec ses deux cartes pour percevoir en tant que fonctionnaire de l'État. Oui, mais carte, ils ont une longue année. Photo, ils ont une année. Ils ont une photo, ils ont une longue année. Tout à fait. Tant que vous avez une carte, ils ont un combo, mais vous avez une photo pour toucher mon nom. Pour se dire, on a une malade. Ils ont 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 déjà touché combien de fois? Ça fait combien de fois aussi au toucher? Parce que tout ça, la réalité, c'est qu'on a la machine, ils ont la conscience. Ils ont la conscience, ça fait combien de fois? La première fois. Non, une fois. Non, bah, oui, une deuxième fois. Je pense que vous venez de suivre. Le suspect vient de parler librement. Monsieur Mastaki, un des responsables de la banque où est passé le faussaire, nous explique comment ils parviennent à les détecter. Premièrement, nous sommes des professionnels de banque. Donc nous sommes, nos agents, tout notre personnel est suffisamment bien formé pour réaliser que chaque acte que l'on pose a des conséquences vis-à-vis, premièrement, de la réputation de la banque et même des conséquences dans sa propre vie comme individu. Et donc chaque agent, on est très conscient et chaque jour est un challenge parce que nous voulons réaliser les objectifs de la banque en satisfaisant les clients, en bonne et due forme. Et évidemment, c'est dans cette vigilance que les fraudeurs y tombent. Parce qu'un client pour nous, c'est quelqu'un de spécial. On doit le connaître au jour le jour. Et en cherchant à mieux le connaître, c'est là qu'on tombe sur des cas pareils. On s'est détecté très vite. En tout cas, le nom, c'est pas le vrai nom de la personne dont l'image est sur la carte. Le gouvernement recommande des personnes bien déterminées et nous faisons notre travail. Président du comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, M. Kayembe Wakayembe, s'est aussi dépêché sur les lieux pour s'enquérir de la réalité. Vous venez de le constater à peine qu'on vient encore d'arrêter un autre agent qui est venu percevoir. Donc c'est un fictif. Il avait une fausse carte. Donc sur la carte, c'était sa photo, mais le nom n'était pas le sien, donc ça n'était pas son nom. Et donc nous apprécions la vigilance des agents d'accès qui viennent encore de mettre la main sur un faussaire. Et donc on vient de l'arrêter et il est passé aux aveux et donc il est remis entre les mains de la police et de la justice et donc il va suivre ce dossier également, va suivre son cours normal. On a attrapé il y a quelques temps d'autres faussaires et ils sont déjà, il y a un groupe qui est déjà à Makala. La semaine passée on a attrapé encore d'autres personnes, les dossiers suivent le cours normal. Et donc, je crois que chaque jour qui passe, on est en train d'arrêter les gens. Et c'est pour attirer l'attention de ceux-là qui détiennent les fausses cartes, donc pour qu'ils fassent très attention.
Donc, le jour où ils vont se présenter dans une des banques pour toucher un lieu place de fictif des agents qui n'existent pas, donc qu'ils soient à leur garde, parce que nous avons alerté tous les services au niveau des banques et ils sont très vigilants. Et donc, nous apprécions la collaboration et la vigilance des agents d'Access Bank qui ont encore une fois attrapé ces malfrats. Mais il est venu se présenter en tant que qui ? En tant qu'agent de la fonction publique ou... Se présenter comme agent de la fonction publique, mais on a regardé sa photo, c'était sa photo, mais quand on lui a posé la question, si c'était lui, d'autres questions, on a constaté qu'il n'était pas fonctionnaire de l'État, c'était un faussaire, et donc on a mis la main dessus. Encore une question. Là, ils vont plus loin jusqu'à falsifier des cartes d'électeurs pour se présenter au nom des agents. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait compromettre le processus ? Non, ça ne peut pas compromettre parce que ça nous permet d'ailleurs de mettre en exergue les failles qu'il y avait dans l'ancien système. Et donc tout ça montre à suffisance qu'il fallait absolument, pour maîtriser les effectifs, passer par la bancarisation de la paye des agents fonctionnels de l'État. Maintenant, la bancarisation nous permet, au fur et à mesure que le jour passe, de mettre la main sur les faussaires et les effectifs. Et donc, c'est comme ça que nous allons atteindre cet objectif de la maîtrise des effectifs. Et donc, derrière ce monsieur, il y a plusieurs autres personnes, les gens qui lui ont délivré la carte. Et donc, c'est tout un réseau. Donc, la première fois, on a attrapé une dame, mais derrière la dame, il y avait plusieurs personnes. Il y avait 10 personnes au total. On a mis la main donc sur... Qu'est-ce que vous en avez fait tout ce soir? Le Jean Makala, au moment où nous parlons. Et la semaine passée, on a attrapé encore des faussaires au niveau de l'écobanque. Et ils sont entre les mains de la justice. Et la justice fait son travail. Et ils seront transférés à Makala. Lui également, il a été recueilli par la police. Et donc la police va faire son travail et remettre entre les mains de la justice. Et... donc, nous suivons ces dossiers. Nous avons quelqu'un, un conseiller juridique de son excellence, sur le vice-premier ministre, qui est en train de suivre à la loupe ces dossiers. Donc, aucun faussaire ne va échapper à la justice. À qui devons-nous cette réussite ? À la vigilance des agents de la banque ou avec à la collaboration de responsables de différents départements ? D'abord, à l'agent, les proposés qui était appelé à payer. Donc c'est de lui qu'il faut d'abord c'est à lui qu'il faut d'abord jeter les fleurs. Donc l'agent qui les proposait, qui devait payer, comme ils ont eu des instructions claires d'être vigilants, de bien regarder les noms, la photo, et donc cet agent, avant de procéder au paiement, elle a vérifié, il a procédé par des tests, posé certaines questions, et vite elle s'est rendue compte que elle était devant un faussaire. Et donc, ensuite, nous remercions l'encadrement, les dirigeants de l'Access Bank, parce que c'est un encadrement qui est venu des dirigeants, des responsables de la banque, qui donnent des instructions à leur proposer, lesquelles instructions sont respectées. Donc, coup de chapeau, d'abord aux préposés et à tous les dirigeants de l'Access Bank. Nous pensons que les autres banques vont redoubler de vigilance pour qu'on mette la main sur tous les faussaires qui se présentent pour toucher l'argent indûment, l'argent de l'État. Et s'il faut dire un message aux différents responsables de la fonction publique, de l'armée, tout comme de la police, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à ce niveau-là aussi pour éviter ces genres de magouilles ? Bon, c'est difficile parce que, vous savez, les faussaires... ça ne passe pas par là. Non, bon, bien sûr, c'est une question très délicate. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette opération, mademoiselle. Donc, tout ce qu'il faut dire, c'est que nous allons, je crois, bientôt mettre à la disposition du public une ligne verte de téléphone, téléphone ouvert, pour que tout celui qui a un renseignement par rapport aux faussaires, par rapport au réseau, de gens qui sont en train de manipuler les cartes, les identités, qui gèrent l'effectif, qui ont une information sur les réseaux, puissent mettre cette information à notre disposition. Donc nous demandons à tous ces gens, les faussaires, et en tout cas avant de venir toucher l'argent à la caisse de l'État, de réfléchir deux fois, parce que sinon ils risquent de connaître l'essor de ceux qui ont tenté et qui sont maintenant à Makala, que ce soit des hommes, que ce soit les dames, on les attrape maintenant.
comme comme des mousses, donc il doit faire très attention. Juste témoignage, il est très important. Jean-Pierre, il y a